Salut à tous les amis. Eh bien aujourd'hui, après le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, eh bien l'idée c'est d'aller découvrir Annecy et surtout ses pistes cyclables tout au bord. Ou chose étonnante, dès qu'il y a des pistes cyclables, eh bien en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vélos. Sur les pistes cyclables du tour du lac d'Annecy. L'objectif c'est d'avoir de terminer en fait le tour du lac d'ici quelques années. C'est quand même un projet qui a au moins 15 à 20 ans. Mais alors qu'est-ce que c'est agréable de faire du vélo en toute sécurité à côté des voitures et pas au cœur des voitures. C'est un vrai plus touristique. Ici c'est envahi par les Hollandais, on sait pourquoi. Les spectacles sont absolument magnifiques. On va faire place aux images, à la place des paroles. Je crois qu'elles parleront beaucoup mieux que tout ce qu'on pourra dire. Quand on fait du vélo sur une piste cyclable, on est vraiment sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a la route, ensuite il y a un rempart, et puis la piste, donc on est vraiment protégé des voitures. Vous allez voir, dans quelques secondes, nous roulerons sur la route, c'est vraiment dangereux. Ah, voilà, et là on retrouve l'autonomie et la sécurité sur la piste. S'est retrouvé sur la route, une route sinueuse, et bon, c'est vrai qu'on n'était pas tranquille, ça n'a pas duré trop longtemps, mais on est quand même beaucoup plus en sécurité sur les pistes cyclables. Salut à tous les amis, et eh bien écoutez, aujourd'hui nous voilà repartis en vélo, mais cette fois-ci côté rive ouest, c'est-à-dire la rive initiale. C'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en piste cyclable et qui fait quasiment la moitié du tour du lac. Blanche, Perrier et glace évidemment. Il faut recharger un peu les batteries.